Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Giacomo Durazzo, vous êtes le représentant de l'Union européenne à Mauritanie. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Nous sommes aujourd'hui ici pour participer à une exposition sur des emplois qui changent des vies. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation sur cette activité? Tout à fait. Premièrement, je vous remercie de cette opportunité aussi de pouvoir m'exprimer. Cette exposition, c'est une petite avant-première avant l'exposition officielle qui sera faite au Musée national. Elle, vraiment, je pense qu'elle est illustrative du partenariat que nous avons entre l'Union européenne et la Mauritanie pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça touche les jeunes, et qui sont évidemment un des publics cibles de notre coopération. Et ça touche aussi l'emploi, qui est un des grands problèmes de la jeunesse mauritanienne, et donc la formation professionnelle. Aussi emblématique parce que c'est une approche que nous faisons pas seulement en tant qu'Union européenne, mais Union européenne avec nos États membres, dans ce qu'on appelle une approche équipe Europe, dans laquelle l'Union et ses États membres, dans ce cas, nous avons la participation de l'Espagne avec l'Agence de coopération, l'AECID, la participation de la France avec l'Agence française de développement et la participation de l'Allemagne avec la GIZ. Donc c'est vraiment une approche commune ensemble entre Union européenne et pays européens. La formation et l'emploi, c'est dans deux grands domaines fondamentalement. L'aspect plutôt terrestre, si vous voulez dire, donc tout ce qui est les emplois liés notamment au bâtiment, à la construction, donc beaucoup de construction de chantiers écoles, mais aussi des entretiens de pistes, de tout genre de construction. Et puis la partie bleu, maritime, très importante évidemment aussi pour le pays. Donc tout ce qui est la formation des métiers de la mer, pas seulement de la pêche, mais des métiers de transformation. Donc touche énormément de femmes, beaucoup de femmes ont été touchées. Donc je pense que c'est vraiment un programme qui a eu et qui a un impact important et que nous espérons pouvoir poursuivre et renforcer aussi dans le futur. D'accord. Excellence, à l'issue de la réunion périodique de dialogue politique entre l'Union européenne et le gouvernement mauritanien, les deux parties ont renouvelé leur engagement pour un partenariat fructueux. Quelle est la stratégie de l'Union européenne pour accompagner et appuyer le programme prioritaire de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ouchir Kazouani, notamment sur la question de la dette, sur la question de la réforme éducative, sur la question du vaccin anti-Covid et sur la promotion de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie de la Covid-19? Merci. Premièrement, pour vous dire vraiment la qualité de ce dialogue politique que nous avons eu, le Premier ministre était entouré de 10 ministres, donc vraiment c'était pratiquement presque tout le gouvernement qui a participé. Les thèmes avaient été choisis ensemble et nous avons vraiment eu un moment d'échange très intense, très structuré, qui vraiment qualifie la qualité de notre partenariat. Donc je voulais vraiment remercier le gouvernement pour cette opportunité. Alors, en particulier concernant la Covid, évidemment, l'Union européenne est de nouveau avec les États membres, donc toujours dans une approche Team Europe. Nous sommes vraiment fortement mobilisés car nous avons compris tout de suite la gravité de la situation. Nous sommes mobilisés soit au niveau sanitaire, avec la fourniture d'équipements, la fourniture de formation, et la fourniture de vaccins, notamment dans le cadre de l'initiative COVAX, où presque 100 000 doses de vaccins ont été fournies par l'Union européenne, enfin avec financement de l'Union européenne ou par l'Union européenne directement. Donc vraiment une contribution au niveau sanitaire très importante, aussi en termes financiers. Mais évidemment, l'accompagnement ne peut pas être que sanitaire, il doit être aussi économique et social. Donc comme vous l'avez bien dit, le plan multisectoriel contre la Covid, nous avons contribué globalement avec 35 millions d'euros. Donc c'est vraiment un montant très important. Et au-delà de ça, bon, nous avons donc ce partenariat stratégique avec la Mauritanie. La Mauritanie est un pays stable, c'est un pays qui maîtrise l'immigration. Donc nous avons beaucoup d'activités avec la Mauritanie dans plusieurs secteurs que je pourrais éventuellement vous présenter successivement aussi. Merci. Excellence, l'accord de Cotonou est conclu entre l'Union européenne et l'Afrique en 2000, a pris fin cette année. Un nouvel accord a pris jour et puis on voulait savoir quelle est la particularité de ce nouvel accord entre l'Union européenne et les pays d'Afrique. C'est un accord important qui a pris d'ailleurs énormément de temps pour être discuté. On a dû prolonger le Cotonou jusqu'à la fin de cette année parce que les négociations ont été très intenses et très grandes. C'est un accord moderne, d'une nouvelle génération, qui prévoit un socle commun,
un socle commun qui concerne donc tous les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui par ailleurs se sont organisés dans une nouvelle organisation des pays de l'Afrique, des Caraïbes et Pacifique. Donc ça, c'est le socle commun qui respecte un peu nos engagements et nos valeurs communes. Et ensuite, trois piliers, un pilier Afrique, un pilier Caraïbes et un pilier Pacifique. Donc pour ce qui concerne le pilier Afrique, qui évidemment nous intéresse plus, il y a fondamentalement sept grandes priorités qui correspondent un peu aux enjeux mondiaux, qui sont celles, premièrement, liées au changement climatique et à tout ce qui est aussi la transition vers une économie verte. Donc vous savez que ça, c'était une des grandes priorités de l'Union européenne, mais aussi de notre partenariat. Il y a tout ce qui concerne justement le capital humain, donc la formation, l'emploi professionnel, le secteur social, et aussi la lutte contre les disparités, les aspects de genre, donc comment les femmes peuvent mieux accéder à de l'emploi, mieux être formées, mieux avoir une représentation dans la société. Les questions de paix et de sécurité qui restent évidemment très importantes. Vous voyez ici dans le Sahel quelle est l'importance de ces questions-là. D'autres secteurs aussi importants comme par exemple la migration, qui est aussi un aspect important, le développement durable. Donc c'est vraiment un accord compréhensif, global, qui, disons, trace la route de la nouvelle coopération entre l'Union européenne et les pays de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, et en particulier donc de l'Afrique en particulier, je dirais. Excellence, un sommet regroupant les chefs d'État africains a eu lieu récemment à Paris sur la question du financement des économies africaines. Quel rôle va jouer l'Union européenne pour aider à la relance économique en Afrique ? Sujet très important, sujet fondamental, l'Afrique ne peut pas rester derrière. L'Afrique doit pouvoir être aidée dans son redémarrage après le Covid. Nous sommes là pour continuer. Nous avons très fortement manifesté une solidarité par rapport à la question de la dette. Notre président du Conseil européen, M. Charles Michel, a fait toujours état de sa volonté d'appuyer, disons, toutes les initiatives concernant la dette au niveau du G7, que ce soit en termes de rééchelonnement ou de restructuration de la dette. Donc ça, la Mauritanie peut toujours compter sur cette solidarité. Et après, évidemment, solidarité aussi économique et financière. Nous avons un nouveau paquet financier qui est en train de se définir, qui augmentera de manière significative les montants à disposition jusqu'à 25 milliards d'euros, et qui, dont une partie importante sera d'ailleurs dédiée à l'Afrique, et qui servira surtout aussi à promouvoir les investissements et l'investissement dans le secteur privé. Parce que la relance, et ça c'est aussi ce qui a été discuté beaucoup à Paris, la relance ne peut se faire aussi qu'à travers le secteur privé. Donc comment attirer plus d'investisseurs, comment attirer plus d'investissements privés pour faire redémarrer, disons, l'économie. L'accord de pêche entre l'Union européenne et la Mauritanie est le plus important dans ce domaine pour l'Union européenne. Et l'ancien protocole d'accord a pris fin en 2019. Une nouvelle prorogation d'une année a été signée. Quelles sont aujourd'hui les divergences qui retardent le renouvellement de ce protocole d'accord ? Disons premièrement qu'il y a eu deux renouvellements, en fait, puisque nous sommes déjà à la deuxième année de renouvellement. Il n'y a pas de divergence, il y a une négociation. Il y a une négociation dans laquelle les parties doivent trouver un accord. Ce que je veux souligner, c'est que c'est fondamental pour les deux parties de trouver l'accord, que ce soit du côté européen, pour permettre donc l'accès aux flottes européennes dans les eaux très poissonneuses de la Mauritanie, mais aussi du côté mauritanien, pour recevoir des financements importants, mais ça va aussi au-delà de cet aspect financier. C'est vraiment un accord stratégique, politique, j'oserais même le définir. Nous soutenons aussi toutes les réformes que fait la Mauritanie pour assainir le secteur, pour rendre le secteur plus transparent, plus compétitif. Et un partenariat avec l'Union européenne, sûrement de ce point de vue-là, sera très bénéfique. Les discussions sont encore en cours, donc attendons et espérons qu'il y aura un accord à la fin, j'en suis convaincu en tout cas. Monsieur l'ambassadeur, l'Union européenne est un partenaire important du G5 Sahel depuis sa création en 2014. Quelle est la nature, la particularité du programme actuel d'appui à la force du G5 Sahel, mais aussi au développement de la région ? Donc le Sahel pour nous c'est l'Europe, c'est la frontière européenne. Et donc on a depuis toujours considéré
important que cette région puisse se développer, puisse être stable. Et nous sommes donc fortement impliqués depuis très longtemps, dans toute une série d'actions. Je pourrais les définir sur trois grands piliers. Il y a un premier pilier important de nature politique, avec notre haut représentant, qui entretient un dialogue politique avec tous les pays du G5 régulier. Nous faisons partie de la nouvelle coalition pour le Sahel, qui est une nouvelle initiative politique très importante. Et nous y participons vraiment de manière très active, notamment dans tout ce qu'on appelle maintenant le sursaut civil. L'importance que, on a vu qu'il y a, aussi des questions de nature militaire, de questions de nature sécuritaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que les pays du G5 puissent avoir puissent fournir des services, puissent s'occuper des gens sur le terrain, notamment dans les régions lointaines, des gens qui se sentent un peu délaissés, un peu abandonnés, et qui souvent, pour cette raison aussi, ont tendance à vouloir éventuellement aller du côté des gens qui se battent, des djihadistes. Donc il y a cet aspect, disons, de nature politique, avec aussi le soutien au secrétariat exécutif du G5 Sahel, dans tous ses fonctionnements et dans tout son appui. Donc ça, c'est l'aspect politique. Après, il y a l'aspect sécurité et défense. Nous avons premièrement trois missions dans le Sahel, une mission militaire et deux missions civiles, deux au Mali et une au Niger, qui font fondamentalement de la formation, de la formation, de la formation. Ces missions maintenant travaillent de plus en plus aussi dans les autres pays, grâce aussi à un mécanisme de coordination régionale qui est basé d'ailleurs ici à Nouakchott et qui travaille avec le G5. Donc vraiment formation et des forces de sécurité, mais aussi équipement, parce qu'on se rend compte aussi que ces forces ne sont pas suffisamment équipées. Et donc là, il y a à peu près 150 millions d'euros qui ont été fournis pour équiper tous les bataillons de la force conjointe, que ce soit en équipement de communication, en équipement de transport, en équipement de protection, en bâtiment pour la construction des casernes. Donc vraiment un effort très très important, et d'ailleurs on le voit, les résultats sont là. Maintenant la force conjointe est une réalité sur le terrain qui marche, qui doit encore s'améliorer, se renforcer. Donc nous sommes très contents de cette coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. Troisième volet, développement fondamental. 8 milliards d'euros ont été investis dans la région depuis une dizaine d'années, notamment dans le cadre de l'Alliance Sahel, qui est donc l'alliance des partenaires qui soutient les pays du G5. Donc vous voyez vraiment un partenariat très très intense et très bien développé, et qui va continuer dans le futur, évidemment. Monsieur l'ambassadeur, vous étant spécialiste en environnement, mais aussi dans les solutions durables, quel regard portez-vous sur les initiatives mauritaniennes dans la résilience face au changement climatique? La Mauritanie est un pays qui, évidemment, est très concerné par le changement climatique. Vous êtes un pays à vocation désertique, et donc ce changement vous touche de manière très forte. Et je crois que vous faites beaucoup d'efforts. C'est un pays qui se mobilise énormément avec des stratégies pour essayer d'améliorer la résilience des populations, d'anticiper aussi les problèmes et de pouvoir donc gérer cet aspect de manière efficace. Nous sommes là, comme je vous l'ai dit, pour l'Union européenne, c'est la grande priorité, le changement climatique. Nous avons une vocation à devenir un continent neutre au niveau carbone d'ici quelques années. Mais pour nous aussi, c'est important de travailler avec les autres pays, parce que ce n'est pas seulement un problème européen, c'est un problème mondial. Et surtout des pays comme la Mauritanie ont besoin d'être soutenus dans ces efforts. Vous n'êtes pas tellement en tant qu'émetteur de gaz, mais surtout vous subissez les effets néfastes, et donc nous vous soutenons pour tout ce qui est la sécurité alimentaire, la stratégie de résilience, la promotion d'énergies alternatives. Donc voilà, oui, c'est un des volets importants de notre partenariat avec la Mauritanie. Excellence, merci de nous avoir accordé cette interview et à bientôt.